Bonjour, je m'appelle Lou Evan, je suis au lycée hôtelier de Blois en seconde bac pro. Bonjour, je m'appelle Elsa et je suis au lycée hôtelier de Blois en seconde bac pro boulangerie-pâtisserie. Bonjour, je m'appelle Gabriel, je suis élève en seconde bac pro boulangerie-pâtisserie au lycée hôtelier de Blois. Je m'appelle Laurane et je suis élève au lycée hôtelier de Blois en seconde bac pro boulangerie-pâtisserie. Bonjour, je m'appelle Amandine, je suis en seconde bac pro boulangerie-pâtisserie au lycée hôtelier à Blois. Bonjour, je m'appelle Aurélien, je suis au lycée hôtelier à Blois. Boulangerie-pâtisserie suite à mon stage de découverte en 3e qui m'a énormément plu. J'ai choisi la boulangerie-pâtisserie car j'en fais depuis petite et c'est un métier qui m'intéresse et j'aimerais évoluer dans ce milieu-là. La boulangerie et la pâtisserie car ce sont deux métiers très diversifiés. J'ai choisi le lycée hôtelier car c'est un lycée réputé et on peut y apprendre de nouvelles techniques et de nouvelles recettes lors des TP. Le lycée hôtelier de Blois car c'est un lycée très réputé. De plus, l'enseignement général continue à me former intellectuellement et les TP sont très diversifiés. J'ai choisi le lycée hôtelier car c'est un lycée réputé et que je souhaitais faire un bac pro et non un CAP et que j'étais donc sûr de la formation que j'allais recevoir. J'ai effectué mon stage en grande et moyenne surface où j'ai pu découvrir différents aspects de la boulangerie-pâtisserie. J'ai aussi fait de la boucherie, de la charcuterie et de la poissonnerie, où j'ai effectué des ventes de plusieurs produits. Nous avons effectué un stage de 3 semaines en boulangerie-pâtisserie en grande surface. Et j'ai trouvé ça très intéressant, le monde du travail. Nous avons également découvert la boucherie et la poissonnerie, qui est aussi un domaine intéressant à découvrir. Dans mon stage en GMS, j'ai appris à utiliser du nouveau matériel. De plus, j'ai effectué un mini-stage en boucherie et en poissonnerie. Cela m'a permis de découvrir un autre aspect avec le rapport client. Quelques mois dans cette formation, nous avons appris plusieurs choses et je suis toujours autant motivée pour continuer. Ces quelques mois de formation m'ont conforté dans mon orientation de départ car on y apprend de nombreuses choses et nous avons quand même des matières générales à côté. Quelques mois de formation, je suis très satisfait car j'ai découvert de nouvelles techniques, j'ai appris beaucoup de choses. Cette formation me plaît beaucoup. Cette année et ça me plaît beaucoup car je peux recevoir de l'aide notamment de mes camarades de chambre ou des surveillants. Il y a une très bonne ambiance à l'internat, propice au travail et de forts liens sont tissés. Satisfait de l'internat car l'internat me propose des aides personnalisées pour réussir mes devoirs. De plus, mes amis peuvent m'aider aussi, cela m'a rendu un peu plus sociable. Après mon bac pro, j'aimerais continuer mes études en faisant une mention complémentaire pour me spécialiser dans le chocolat. Je compte faire une MCDR au lycée hôtelier de Blois, puis faire un BTM. À la fin de ces 3 ans de bac pro boulangerie-pâtisserie, j'aimerais faire une mention complémentaire des services de restauration pour travailler en tant que pâtissier dans des grands hôtels ou restaurants. De base, je voudrais faire plusieurs mentions complémentaires et un BTM pâtissier. Après ces 3 ans en bac pro boulangerie-pâtisserie au lycée hôtelier à Blois, je souhaiterais faire la mention complémentaire dessert sur assiette qui est également ici. Bac pro boulangerie-pâtisserie, j'envisage de réaliser des mentions complémentaires en chocolaterie et dessert sur assiette et devenir pâtissière dans de grands restaurants. Bienvenue tous au lycée hôtelier!